c'est l'histoire de trois collégiens rouennais qui décident, lors du dernier confinement, de ne pas être confinés. Ils volent le bateau, enfin ils volent, ils empruntent, dirons-nous, le bateau d'un des parents et remontent le canal de Rouen-Adigouin à la recherche de la maman de Bonnie. Mais ils ne sont pas doués du tout, notamment pour ce qui est de la survie en milieu hostile. La Loire, c'est un milieu très hostile. Et il va leur arriver des tas d'aventures rocambolesques. Alors j'aurais tendance à dire les quatre en général. J'ai un peu le caractère de Bonnie, c'est-à-dire que le masque et le confinement, moi, j'ai kiffé. J'ai un petit côté malo dans le sens où le microbe et moi, on n'est pas super copains. J'ai probablement un côté Jason parce que je suis la reine pour faire des âneries. Évidemment, je suis Melting Pot parce que Melting Pot, c'est le super toutou qui fait n'importe quoi, qui aboie partout et... Et moi aussi, parfois, je crois que je suis un super toutou qui aboie partout. Bah, cette blague, écrire un roman, bien sûr. C'était ça le truc le plus rigolo pendant le confinement. Alors, le feuilleton pendant le confinement, au départ, il avait une raison pédagogique, parce que je suis aussi prof. Oui, je sais, les pauvres, mais bon, c'est comme ça. Et mes élèves se sont donc retrouvés confinés à partir du 31 mars, et il fallait que je les fasse lire. Et comme j'avais pas eu le temps de leur faire acheter de livres, eh bien, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, on va l'écrire moi-même. Enfin, je vais l'écrire moi-même, je ne suis pas plusieurs dans ma tête. Encore que, ça c'est pas encore sûr. Donc, mes élèves, l'idée c'était de leur écrire un chapitre par jour avec un QCM sur la plateforme de mon établissement pour vérifier qu'ils avaient bien lu, oui, parce que je suis aussi assez sadique. Voilà, donc c'est pour ça que ça se déroule à Rouen avec des collégiens de chez nous, dans un environnement qui leur est proche, et c'est aussi pour ça que le langage est assez proche d'un langage d'adolescent. Déjà merci, parce que si vous êtes lecteur de la presque grande évasion, c'est que vous avez lu mon livre, donc merci. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous vous êtes marré, parce que c'était surtout le but. Moi j'ai beaucoup ri en l'écrivant, donc j'espère que vous allez beaucoup rire en le lisant.